Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente, du coup ça va pas être du make-up, ça va être sur les cheveux. Comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, en fait donc du coup j'ai coupé mes cheveux hyper courts il y a un an. Et du coup je les ai vraiment coupés super courts, je les ai vraiment coupés à la garçonne. En fait je vous montre une photo. Et je les ai recoupés entre temps, donc cette année environ 4-5 fois pour entretenir en fait vraiment la coupe assez courte parce que c'était ce que j'aimais sur le moment. En fait j'ai retrouvé des photos de moi quand j'étais petite et j'avais envie de retourner à quelque chose un petit peu plus naturel. Et là du coup ouais, j'ai vraiment envie de retrouver ma tête en fait pour faire ressortir mes origines. Donc pareil, pour celles qui ne le savent pas, ma maman était indienne et mon papa est français. Ça se voit pas forcément. Et donc je vais vous présenter en fait les produits chouchou que j'ai utilisé là dernièrement pour avoir cette pousse de cheveux qui est quand même au niveau des produits de soins. Du coup ce que je fais, c'est que je vais commencer étape par étape. Je vais commencer au niveau des compléments. Ce qui m'a aidé fortement à faire pousser mes cheveux, c'est les compléments phyto. Donc ça, à l'heure actuelle, en parapharmacie, vous avez une promotion. Vous avez les deux boîtes à 28€ au lieu de la boîte seule à 28€. C'est un programme à prendre pendant 3 mois. Donc c'est 2 gélules par jour, le matin au petit déjeuner. Et alors, mais ça marche du feu de Dieu. Mes cheveux, ils sont hyper épais. Ils ont très très bien poussé. Et je pense que par rapport aux marques émergentes en ce moment, vous voyez sur Instagram, etc., qui n'arrêtent pas de parler des petites gommes à mâcher, ou Airbust, etc., je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment une valeur sûre et on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Après, au niveau du shampoing, du coup, moi, celui que j'adore, c'est le shampoing de chez René Ferterer. J'ai cru dire une connerie. C'est le Absolute Kératine, shampoing renaissance, cheveux ultra abîmés et cassants, sans sulfate. Il est hyper doux, il a très bien, même s'il ne mousse pas forcément. Il sent tellement bon, ça sent vraiment super bon, c'est un truc de fou. Et même sans après-shampoing, il va vraiment laisser mes cheveux hyper doux. Après, au niveau de l'après-shampoing ou du masque, que j'utilise, c'est un produit de chez Ducray. C'est le Nutricera, cheveux très secs et très abîmés, c'est un masque. Alors, quand je vous dis que c'est un masque qui marche très très bien, vous le laissez poser entre 5 à 15 minutes. Vous le rincez, vous avez les cheveux doux comme des fesses de bébé. C'est une dingue. Par contre, ça sent pas très très bon. Je sais pas pourquoi ça sent pas bon, mais moi je n'aime pas cette odeur. Ça sent une odeur qui me dérange en fait. Ça sent comme de l'après-soleil. Je sais pas comment expliquer cette odeur-là, mais moi en tout cas je n'aime pas. Mais il marche très très bien. Mais l'avantage, c'est que l'odeur ne reste pas sur le cheveu après. Donc ça me dérange pas au final. Et après, quand je décide de les coiffer, parce que la plupart du temps je ne les coiffe pas, je les attache en fait simplement comme ça, puis je mets des pinces un petit peu partout, parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais à l'arrière ils ont tendance à rebiquer vers l'extérieur. Je suis pas une grande fan du fer à lisser ou du fer à boucler, donc je préfère les laisser naturels. Mais quand je décide de les coiffer comme aujourd'hui, en fait je les ai lissés juste pour vous montrer. J'utilise quelque chose avant qui marche super bien, que je l'ai acheté à Bleuki Pilule. La marque, c'est Fanula. Je ne connaissais absolument pas. C'est quelque chose, c'est un spray en fait thermoprotecteur. Donc ça se présente comme ceci. Et ça en fait, c'est sous forme de spray. L'aérosol, il est un petit peu galère. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets dans mes mains, je frotte mes mains et ensuite j'en mets au niveau des pointes. Ensuite quand vous plaquez les plaques, quand vous passez les plaques dessus, pardon, le cheveu est hyper lisse, il est hyper doux, il est hyper brillant et ça ne le graisse pas du tout. Contrairement à certains produits, ça ne le graisse absolument pas. Donc moi j'adore ce produit quand je décide de coiffer mes cheveux, ce qui est très rare, mais je l'adore. Et je sens vraiment que mon cheveu est protégé par rapport aux chaleurs extrêmes des fers à lisser et tout le travail. Au niveau des shampoings, du coup, moi j'espace quand même mes shampoings au maximum, mais le truc c'est que je fais pas mal de sport. Quand on va à la salle, on a juste envie de se laver les cheveux, quoi, parce que sinon c'est un peu dégueu. Donc je pense que je dois me les laver quand même tous les 2 jours. Voilà, je pense que ça sert à rien de trop surcharger son cheveu en produits ou autre. Je préfère les laisser respirer au maximum. Et du coup, des fois, je me fais des soins. Allez voir la vidéo du turban que je vous ai montré, parce que justement, en fait, je fais un soin, je pose mon masque ou de l'huile et je mets mon turban toute la journée. Et du coup, quand je lave mes cheveux le lendemain, ils sont hyper doux, ils sont vraiment
en pleine forme. Bah écoutez, du coup, au niveau de ma routine cheveux, voilà, c'est mes petits secrets personnels. Donc j'espère vous avoir tout dit et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.